Alors, on parle justement de vérité, plusieurs vérités, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que vous compreniez, lorsque vous étudiez les controverses, il faut comprendre qu'il y a plusieurs vérités, plusieurs thématiques, plusieurs arguments qui vont être pris en compte et justement qui vont être utilisés. On va parler ensuite de preuves scientifiques ou non, vous allez voir que ce n'est pas le cas. Je peux vous donner une preuve scientifique qui dit quelque chose, par exemple A, et j'ai là le contre-exemple, une preuve scientifique aussi, qui dit la même chose. D'où le fait qu'on va trouver des solutions rationnelles au débat et à certaines controverses. Donc, les points de vue, comme je dis, sont constamment engagés, manipulés, critiqués, etc. D'accord ? Faites vraiment très attention, les réseaux sociaux et le web, j'ai parlé lors des autres conférences précédentes, c'est vraiment très important de comprendre qu'il faut être neutre dans vos propos. D'accord ? De même, lorsque vous avez, que ce soit donc des professionnels, si vous donnez l'exemple de vos clients, que ce soit des particuliers qui veulent juste échanger sur des termes précis, faites très attention. La neutralité, en fait, est plus importante. D'accord ? Vous savez, au niveau business,